Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 11. Thème, conjecture et démonstration. L'exercice. On considère la suite numérique UN définie pour tout entier naturel N par UN plus 1 est égal à 1 sur 2 moins UN. Avec U0 est égal à 0. La suite UN est-elle convergente? Les démarches de deux élèves de terminale scientifique. Élève 1. À l'aide d'un tableur, j'ai construit cette feuille de calcul. Je conjecture que la suite UN est croissante et converge vers 1. Je montre que la suite est croissante. UN plus 1 moins UN est égal à 1 sur 2 moins UN moins UN est égal à 1 moins 2UN plus UN au carré. Sur 2 moins un. Je ne sais pas comment conclure. Élève 2. J'ai calculé les premiers termes de la suite. U0 est égal à 0. U1 est égal à 1/2. U2 est égal à 2 tiers. U3 est égal à 3 quarts. J'en déduis que un est égal à n sur n plus 1 et donc que la suite un converge vers 1 car U10000 est égal à 10000 sur 10001 et qui est à peu près égal à 1. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. Analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Précisez l'aide que vous pourriez leur apporter pour mener à bien leur démarche. Alors, question didactique, présentation du problème. Donc, on considère la suite numérique UN, donc une suite définie par récurrence, par U0 est égal à 0, UN plus 1 est égal à 1 sur 2 moins UN. Et on veut savoir, on veut montrer que la suite est convergente. Donc, première phase, conjecture, et seconde phase, démonstration. Alors, les élèves ont proposé ceci, donc l'élève numéro 1 propose une conjecture par tableur, donc par les calculs des 1000 premiers termes de la suite, conjecture que la suite UN est croissante, ça c'est une bonne conjecture, et converge vers 1. Alors, converger vers 1. Alors, si on veut le montrer ici, là, il montre que la suite. Enfin, il veut montrer que la suite est croissante, il n'y arrive pas. Pour montrer que la suite converge vers 1, il faut montrer que UN est majoré par un nombre. Ici, on va le majorer par 1. Donc, ici, il calcule UN plus 1 moins UN sans vraiment conclure, car il ne sait pas comment conclure. Donc, ici, pour montrer que la suite est croissante, il faut montrer que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc ici on a une fraction. Si on montre que le numérateur et le dénominateur est positif, un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc ici on voit qu'on a un carré, un carré moins 2un plus 1, ça fait un moins 1 le tout au carré. Donc ça c'est positif, donc ils vont montrer que 2 moins un est positif. Ça on va montrer tout à l'heure. Élève 2, donc là il calcule les premiers termes à la main, en mettant en évidence une relation par récurrence, un est égal à n sur n plus 1, il faudrait montrer cette relation par récurrence par une démonstration par récurrence. Et ensuite, il dit que la suite converge vers 1, car il a calculé U10000, qui est à peu près égal à 1. Et là, la justification n'est pas vraiment correcte, car une suite de très haut terme, donc U10000 peut valoir 1 sans que la suite converge vers 1. Donc, conclusion, élève 1, il a fait une conjecture par tableur, il a fait une bonne conjecture pour la croissance de la suite, la convergence est déduite en majorant la suite, il a calculé UN plus 1 moins UN pour étudier la convergence et ne sait pas quoi faire avec, donc avec l'expression de UN plus 1 moins UN. Alors ici, il faudrait étudier le signe de un plus 1 moins un grâce à l'inégalité un inférieur à 1. Donc l'élève 2, il calcule les premiers termes de la suite un. La déduction de la formule explicite de la suite est malvenue, il faudrait une démonstration par récurrence. La convergence est mal étudiée, ce n'est pas parce que U10000 est à peu près égal à 1 que la suite tend vers 1. Question 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique en ayant recours à l'outil logiciel. Alors, correction de l'exercice, donc niveau terminal scientifique avec
recours à l'outil logiciel. Alors, un plus 1 est égal à 1 sur 2 moins un, et u0 est égal à 0. u0 est égal à 0, et un plus 1 est égal à 1 sur 2 moins un. Alors, on va utiliser le tableur, et ensuite GeoGebra, donc tableur pour avoir les valeurs comme pour l'élève 1, et GeoGebra pour construire graphiquement les termes de la suite, donc définie par récurrence. Alors, tableur. Alors, ici on va mettre n, et ici un. Donc un est égal à, non, un plus 1 est égal à 1 sur 2 moins un. Voilà. Donc ici 0, on étire, on peut aller jusqu'à 1000. Voilà. Et donc maintenant, égal. Donc ici déjà 0. Et donc sur C5, on met égal 1 sur 2 moins la colonne précédente, C4. 0,5. Et on étire. Voilà. Donc ici, on voit 0,999. Conjecture. La suite est croissante. La suite est croissante. Et la suite est croissante. C'est 0,05. Donc ici, suite est croissante. Et elle est majorée par 1. Donc elle va converger vers 1. Donc si c'est, ici, c'est la conjecture. Donc conjecture. 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 La suite un. La suite un. Et croissante. Et majorée par 1. Donc, elle converge vers 1. Voilà. Alors, ça, c'est pour le tableur. Maintenant, sur GeoGebra. Alors, sur GeoGebra, on va noter donc, y égale à x. Y égale à x, y est égal à 1 sur 2 moins x. Voilà, on va zoomer ici. Voilà. Donc, alors, construction. Donc ici, on met a, donc a c'est u0 c'est 0, donc a 0, 0. Donc on va construire b. Alors, on va mettre a 0. A0 est égal à 0. 0. Voilà. Donc B0 est égal à. Donc ici, on va prendre Y. Donc B0, ça va être 0, G0. Et ensuite, C0, c'est G0, G0. Et donc A1, ça va être égal à G0. 0. Voilà. Donc A1, on voit, c'est 0,5. On peut faire l'escalier, segment A0, B0, segment B0, C0, segment A1, C0. Ensuite, donc ici B1, ça va être, on va récupérer X à 1. Et g de x à 1. Voilà. C1. Alors C1, ça va être YB1, YB1. YB1, YB1. Voilà. Et ensuite, A2, bien, ça va être égal à XC1, 0. XC1, 0. Voilà. Ici, on peut encore faire l'escalier. Donc C0, segment C0, B1, B1, C1. Et ensuite, C1, A2. Voilà. Donc voilà la structure en escalier. Après, on pourrait faire la même chose pour A3, 4, A5. Pour avoir A3,
on peut donc la méthode classique, ici j'ai un peu accéléré les choses. La méthode classique c'est donc A2 on va vers la courbe G, ici on rabat vers l'axe des ordonnées, on rabat ce point vers l'axe première bisectrice et ensuite l'axe des abscisses pour avoir A3. Et ensuite, ainsi de suite, on va voir ici en 1, ici la courbe, elle touche, donc elle rencontre la première bisectrice en x est égal à 1. L'escalier va vers ce point, ici qu'on appelle point fixe. Et donc, la suite va converger vers ce point fixe, donc vers 1. Bien, alors maintenant, on va passer à la démonstration. Donc avant de ça, on va donc démontrer plusieurs propriétés. Donc on va devoir montrer Pn, c'est Un inférieur à 1. Qn, Un plus 1 moins Un supérieur ou égal à 0. Et Tn, on montrait que Un est égal à n sur n plus 1. Donc ici pour tout n appartenant à n. Alors, première, donc Pn, donc soit n appartenant à n. Donc on note Pn, un inférieur strict à 1, Qn, un plus 1 moins un supérieur ou égal à 1, 0, et Tn, un est égal à n sur n plus 1. Alors, démonstration par récurrence de la propriété Pn. Alors, initialisation, U0 égale à 0, qui est inférieur à 1, donc P0 est vrai. Hérédité. On suppose qu'à partir d'un rang n supérieur ou égal à 0, Pn est vrai. C'est-à-dire Un inférieur à 1, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. On démontre que la propriété, Pn plus 1 est vraie. Donc ici, Un inférieur à 1, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. C'est seulement si moins Un supérieur strict à 1. À moins 1. Donc là on multiplie par moins 1, donc on change le sens des nullités. Ensuite 2 moins un supérieur à 1, donc là on ajoute 2 de chaque côté. Donc moins 1 plus 2 ça fait 1. Donc 2 moins un supérieur strict à 1. Et maintenant on prend l'inverse, donc on rechange le sens de le symbole, donc le symbole, donc 1 inférieur 1 sur 2 moins un inférieur à 1. Là, c'est un plus 1 inférieur à 1. Conclusion. La propriété Pn plus 1 est vraie. Donc, Pn est héréditaire. Donc, Pn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 0. D'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n, c'est-à-dire que un est inférieur à 1. Donc on remarque ici qu'on a le signe de 2 moins un supérieur à 1, donc supérieur à 0. Ainsi, Qn. Donc ici, on a un plus 1 moins un est égal à 1 sur 2 moins un. Moins un. Donc on met tout au même dénominateur. 2 moins un, c'est donc ici 1 moins un, 2 moins un. On développe 1 moins 2un plus un carré sur 2 moins un. Si on reconnaît une identité remarquable, ça va être un moins 1 carré sur 2 moins un. Un moins 1 au carré, mais c'est positif, un carré est toujours positif. 2 moins un, d'après la démonstration par récurrence précédente, on a dit que c'était supérieur à 1, donc c'est supérieur ou égal à 0.
Donc, conclusion, numérateur positif, dénominateur positif, donc la fraction est positive. Donc, un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0 pour tout n appartenant à n. Donc, un est croissante. Et majorée, bien entendu, majorée par 1. Donc, elle converge vers 1. Donc, elle converge vers 1. Alors maintenant, Tn, on a dit que c'était un égal à n sur n plus 1. Démonstration par récurrence. Donc, démonstration par récurrence de Tn, de la propriété Tn. Donc ici, U0 est égal à 0, c'est égal à 0 sur 1. Donc P0 est vrai. P0 est vrai. Alors, T0 est vrai. Ensuite, hérédité, on suppose que la propriété Tn est vraie à partir pour un rang n supérieur ou égal à 0. N supérieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire un est égal à n sur n plus 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. On démontre que la propriété Tn est vraie pour un rang. On démontre que la propriété Tn plus 1 est vraie. Donc Tn plus 1 est vrai. Donc Tn plus 1 est vrai. Un plus 1, c'est 1 sur 2 moins un. Ou encore, hypothèse de récurrence, 1 sur 2 moins n sur n plus 1. C'est 1 sur, donc ici, même dénominateur, n plus 1. 2n plus 1 moins n. 2n plus 2, donc ici on a 1 sur, donc 2n plus 2 moins n sur n plus 1. Donc l'inverse, numérateur c'est n plus 1, 2n moins n c'est n plus 2, n plus 2. Donc tn plus 1 est vrai. La propriété Tn est héréditaire à partir du rang n. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété Tn est vraie pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire, donc un est égal à n sur n plus 1. On a dit que un est convergente. Donc, déterminons la limite de cette suite. Donc, en calculant la limite quand n tend vers plus infini de un. Limite quand n tend vers plus infini de n sur n plus 1. On peut factoriser par n. Donc ici, n fois 1 sur n fois 1 plus 1 sur n. Donc ici, on va enlever n. 1 sur 1 plus 1 sur n. 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et donc 1 sur 1 plus 0, mais ça va être égal à 1. Donc la suite, un, converge vers 1. Question 3. Proposez deux exercices sur le thème conjecture et démonstration, l'un au niveau collège, l'autre niveau lycée. Vous motiverez vos choix en précisant les objectifs visés par chacun d'eux. Alors, exercice. Question numéro 3, donc proposition d'exercice sur le terme conjecture et démonstration. Je vais proposer ici un exercice du niveau collège. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cbmath.fr.
Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves, écrites et orales, du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des sciences et technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques, cbmath.fr, rubrique CAPES. Voici l'énoncé. Carré au bord, soit n un entier naturel non nul. On considère un carré de côté n cm. On quadrille ce carré par des petits carrés de 1 cm. On colorie les carrés qui touchent immédiatement le bord du grand carré comme sur la figure ci-dessous. Par exemple, dans un carré de 8 cm de côté, il y a 28 petits carrés coloriés sur le bord du grand carré. Combien de cases colorie-t-on pour un carré de côté n? Démontrez la formule. Alors, ici, petite conjecture, donc on va prendre ici un carré, ici 4 cases, donc, il va y avoir 4 bords, pour n égale à 2, on a 4, pour n égale à 3, alors un quadrillage, 9 cases, ici si on colorie, bord, on va avoir case. Bien. Alors, dernier cas, n égale à 4. Plus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rouge. Hop. Et donc on va colorier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cases. Là on peut voir ici que ça se dessine, on voit ici n égale à 2, 4, n égale à 3, 8, n égale à 4, 12. Si on voit une sorte de proportionnalité, ici on a différentes possibilités. Alors on va reprendre n égale à 8 pour calculer le nombre de cases. Soit on prend donc première technique, soit on prend le grand carré, nombre de cases dans le grand carré, moins nombre de cases dans le carré blanc. Donc ici, donc dans le grand carré, il y a n au carré, moins, on enlève 2 carrés dans le bord, ici, donc pour le carré blanc, il y en a n moins 2 au carré. Alors, deuxième technique, ici on peut dire, ah ouais, il y a 4 cases à chaque fois coloriées, dans tous les carrés, et ici, il y a donc 4 fois, donc il y a 4 plus 4 fois cette bande là qui se répète 4 fois, et là c'est 4 fois n-2. Donc là c'est la deuxième technique. Ou alors, 3, ben, si on colorie ici, on aura n cases. N plus ici on en aurait n moins 1, donc ici par exemple n a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 2 fois n moins 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là plus
N moins. Donc, si on. Ces trois expressions sont égales. On va montrer ça. Donc, ici, N au carré moins N moins 2 au carré. Bien sûr, on développe. Ça fait N au carré moins N au carré moins 4N plus 4. Donc ici, on a N au carré qui va disparaître. Et 4N moins 4. 4N moins 4. Alors, si on développe ici, donc la troisième expression, donc ça, c'est N plus N moins 1 plus N moins 1 plus N moins 2. Ici, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 4, il y a 4N. 4n moins 4. Là, on retrouve l'expression 3. Non, c'est l'expression 1. L'expression 1 est égale à l'expression 3. Et donc maintenant, comment retrouver l'expression 2? A au carré moins b au carré avec a égale à n, b est égal à n moins 2. Donc ici, on va obtenir n moins n moins 2 fois n plus n moins 2. Ici, on va obtenir 2n, 2n, n moins n, 0, moins n, moins 2, 2, fois 2n moins 2, ou encore 4n moins 1. Ce qui égale bien à notre expression 2, si on dit que ça c'est 4 n moins 1 plus 4 moins 4. C'est 4 n moins 2 plus 4. Et donc là on a bien l'expression 2. Donc l'expression 1 est bien égale à l'expression 3 qui est bien égale à l'expression 2. Donc les trois formules sont bien égales. Donc y a-t-il deux cases au bord d'un carré? Il y en a n au carré moins n moins 2 au carré, qui est égal à 4 plus 4 fois n moins 2, qui est égal aussi à, qui est égal à 4n moins 4, ou encore n plus n moins 1 plus n moins 1 plus n moins 2.